www.casarima.fr. Toutes les personnes qui cherchent à tuer, Motoro Soluka Komoma, il finira que par être tué. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour moi. Désobéir à Kim de Kalibota, mérite de Yokan Sampé. Amen. Yaya, sont désobéir à Kim de Kikobarate. Sont désobéir à nos satanistes, au Kofu Kamelanzamé, à Bangote. Parce que l'itoy n'a rien qu'à Kansamé. Amen. Alors, oui. Mardoché m'appartient. Pour les détails, c'est un gars. Loua, zi tombe. Azi, non, y'a pas de moko. Batoyo sur Abounisayo. Batoyo sur Abounisayo. Zamaza ma coquille. Y'a contribué à la colonne à eux. Amen. Zamaza ma coquille. Y'a contribué à la colonne à eux. Vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Que ma tête dans la zone, quand on appelle la zone candidat à l'état, tu l'as assis. Commence à élever ta voix, parle à toi, Dieu, parle. Alléluia. Parle à ton Dieu. L'homme est ensemble, Seigneur. Colo. C'est encore possible. Et qu'on puisse se consoler. Je suis là pour t'écouter. Nazawana pour n'envoyer pas yo. Que ta parole. Tu gardes les hommes à yo. Les hommes savent que les hommes ne peuvent pas me donner. Et peste en bas pour le bâton qu'on fait sans bâton. S'il te plaît, je t'oblige de se mettre debout. Voli Messina 5 euros au terme, mais si qu'on s'allie. Obéis à la parole. Tout ça, l'homme à Zambé. Pour que le Seigneur te fasse grâce. Pour être colo à quoi qu'on s'allie l'homme. Commence à parler à ton Dieu. Pendant qu'on est mis ensemble à yo. Parle-lui, Seigneur. L'homme là est colo. J'ai besoin de t'écouter. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Laisse que la gloire t'affecte ce soir. Tu dois te guérir et compter et si ma maman est là, pourquoi elle est là? Jugez, totez une place aux alliés, jugez que les enfants se réveillent ce soir. Ah, là-bas, que les mains. Accepte de purifier ma vie dans ton sang.
David, Seigneur. Tu es notre sauveur. C'est par toi que nous vivons, Seigneur. Sois présent, Seigneur. Quand tu connais chaque enfant qui est ici présent. Jésus-Christ. C'est mon sauveur. Nous te remercions pour ton esprit qui est ici présent. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer bénis. Parce que c'est le lieu de rendez-vous. L'ennemi n'a pas de place en ce lieu. Depuis le début de ce programme, il n'y a que ton Saint-Nom est célébré. Et là, on célèbre ton Saint-Nom. La gloire descend. Et merci pour la gloire. Il va descendre. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, les rachetés, les saints, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Et nous poussons de tous les joies. Dis-lui que ta récompense sera très très grande. Ta récompense sera très très grande. Parle-lui que ta récompense sera très très grande. Ta récompense sera très très grande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour la parole de Dieu. Mettons-nous s'il vous plaît. Je bénis les dieux de la Bible. La parole de la Bible. Le maître. Et le souverain. Je vais inviter tout le monde à s'asseoir. Que personne ne se déplace. Nos téléphones sous-vibrants éteints. Parce que nous sommes devant les rois. Alléluia. Amen. Ici nous honorons l'unique maître, l'unique Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bon, ami, je remercie le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et celui qui ne cesse pas de nous révéler de grandes choses. Merci pour ces serviteurs et servantes qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la présence. De vous le peuple de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et le Seigneur fait beaucoup de choses dans vos vies. Écoutez.
Boyoka. Le Seigneur veut nous parler. Nzamba li ko lobela biso. Amen. Depuis le début, Wuto e bandeli. Nous lui avons donné nos adorations. Biso to pesa ki ye, ma sang joli habité mala biso. Mais maintenant là, kasi sa saipi. Lui nous écoute. Ye, ali ko biso to li ko yoka ye. Lui nous écoute. Iye ayo kabiso abande koyo kabiso iye abande koyo kabiso le bandeli et maintenant là sikoyo c'est lui qui veut nous parler iye sikonda li ngolo bela biso alléluia amen et je sais que une personne sera bénie ben aye bien que moto moko ko pambola non je dis pas que tu seras maudit na lobita yo ko lakila mama je dis que tu seras béni na lobita yo ko pambola au nom de Jésus qui je te bénis ben akoma na yesu ngala pambola je libère la bénédiction du vide ah na pambola li pambola ko sabela mama ila yo partout en temps maudit Moi je viens te bénir. Si le monde a dit que tu ne réussiras pas, moi je viens là. Tu iras de cette chair. La réussite sera ton parfum. Si tu es malade, la guérison sera ton parfum. Moi je parle parce que je connais le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Si tout est un ferment devant de toi, je déclare. Parce que c'est le ciel qui nous a donné. C'est pas un homme. Et il faut croire. Et le dimanche passé, je vous ai dit que le Seigneur nous a donné le message. Les 12 principes pour être récompensé. Nous l'avons introduit le dimanche passé. Nous avons dit qui peut être récompensé. Alléluia. Amen. Qui peut être récompensé? Il n'y a que celui qui a travaillé. Celui qui a dû. C'est celui-là qui peut être récompensé. Alors il y avait 12 principes. Et le Seigneur nous a donné ces principes. Le premier principe. Et je vais continuer avec ces principes. Parce que Dieu m'a dit. Tu dois insister. Parce que c'est l'une des principes de base. L'écoute.
et avoir un cœur pour Dieu, mais fait accéder à la grande récompense. L'écoute et avoir un cœur pour Dieu, mais fait accéder à la grande récompense. Je vous ai dit qu'il y a 12 principes. Premier principe, pour être récompensé, il faut avoir l'écoute. Quand nous parlons de l'écoute, bien-aimé, nous ne voyons pas l'écoute naturelle. Nous ne voyons pas les oreilles que nous avons. Mais nous voyons les oreilles spirituelles. Parce qu'il y a des sourds qui écoutent plus que les gens qui ont les oreilles. L'écoute que nous parlons ici, c'est au-dessus de l'intellect. Alléluia. Amen. C'est l'écoute spirituelle. Avoir l'oreille spirituelle. Il y a différence entre entendre et écouter. Alléluia. Premier principe. Pour être récompensé par Dieu, tu dois écouter. Écouter quoi? C'est la parole. Écouter Dieu. L'écoute de Dieu. Ça marche avec la mise en pratique. Alléluia. Amen. J'avais dit que écouter et avoir un cœur pour Dieu. Alléluia. Amen. Écouter et avoir un cœur pour Dieu. Alléluia. Amen. Écouter. Dans le dictionnaire. C'est entendre. Et c'est diriger son attention vers des bruits ou des paroles. C'est ça écouter. C'est entendre. Donc, tirer attention vers une bruit ou une parole. S'il vous plaît, maman, quand je peux avoir mes lunettes. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous aussi nous lisons. Est-ce que vous pouvez dire amen? Le bas, amen. Je verrai jusqu'à la vieillesse. L'écoute, c'est entendre. Diriger son attention vers le bruit. Mais dans notre cas, le Seigneur m'a orienté, il m'a dit écouter. C'est écouter, c'est entendre. Et diriger ton attention vers la parole. En le mettant en pratique. De accueillir la parole avec faveur. Alléluia. Amen. Accueillir la parole avec faveur. Quand on me parle de la parole, mais je l'accepte et je commence à le pratiquer. C'est ça l'écoute. Alléluia. Amen. La personne qui n'écoute pas finit dans l'échec. Alléluia. Amen. C'est ça pour être récompensé. Nous allons lire Psaume 81. Psaume 81. Au verset 17. Au verset 14. 14 à 17. Le Psaume 81. Le 14e jusqu'au 17e verset. Psaume 81, le verset 14 à 17, je lirai de Jésus. Amen. Oh, si mon peuple m'écoutait, si
Israël marche dans mes voies. En instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment. Alléluia. Et je les rassasirai du miel du rocher. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai les ennemis. Écoutez, celui qui écoute Dieu, celui qui marche selon les principes, Dieu va confondre ses ennemis. Je dis à une personne, quand tu écoutes Dieu, tu es là pour écouter Dieu. Moi, Dieu, j'ai confondu les ennemis. Après, écoutez Dieu. Si tu l'écoutes et tu pratiques sa parole, ne crains pas. Quels que sont les problèmes tes ennemis, tous, ils seront confondus. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Tes adversaires, Bangouna na yo, Bazo Beta yo, Bazo Mounisa yo, Bazo Mala yo, Bazo Mala la Boko, Bambatana liye so yo, et so so Bango, Bango, Amen. Ce qui haïsse l'Éternel le flatterait. Alléluia. Et le bonheur d'Israël durera pour toujours. Quand tu écoutes Dieu, même les gens qui sont en Zambé, flatter. Amen. Ok. Amen. La déclaré aux autres ma puissant bouleur. Amen. Maintenant, ma ligne à Ranzabet et ma coma ma flatteur n'a eu. Amen. Là, comme on a comme on a prié de force. Amen. Parce que tu écoutes Dieu. Toi, t'es hier, l'autre à Ranzabet. Mais la vie qui est ta bénédiction, hein, ne sera pas pour un temps. Il est là pour toujours. Je déclare ce soir. Retourne à la bénédiction, retourne à la vie, retourne à la bonne santé, retourne à l'argent, retourne à la mission,
ma bénédiction ne sera pas retranchée. Amen. Amen. Oh, le bonheur tu le rends pour toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai. C'est ça le salaire de qui c'est qui écoute Dieu. Tu vas manger le meilleur froment. Et là, comme si là, que c'est le rocher qui va donner le miel. Il vient à l'église. La prédication passe. Il n'écoute pas. Bien aimé, écoutez la parole. Et mettez cette parole en pratique. Toute personne qui écoute et qui met en pratique, il devient l'héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez.
Dans le livre de Jérémie chapitre 11. Na kuku na Yirimia boka kwa zomi na moko. Jérémie chapitre 11. Yirimia zomi na moko. Verset 1, verset 3 à 4. Na moloko misa tokino na mine. Jérémie chapitre 11, verset 3 à 4. Et nous allons lire verset 6 partie B. Tokotanga pe toko kumbwa kino na na mutoba. Jérémie chapitre 11, verset 3 à 4. Il est écrit Jérémie chapitre 11, le verset 4 à 6. 3, 4. Jérémie 3, 4. Merci. Dis-leur. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères les jours où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant: écoutez ma voix, faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. 6 partie B. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Et le verset 8, nous sautons. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les passions de leur mauvaise cœur. Alors j'ai compris si toutes les paroles de cette alliance, les paroles de cette alliance, je les avais ordonné d'observer. Ils n'ont pas observé. Quand nous n'écoutons pas, si vous lisez cette histoire à la maison, vous verrez, celui qui n'écoute pas finit que dans l'échec. Amen. Le premier organe que Dieu a donné à l'homme pour comprendre Dieu, c'est l'écoute. Et même les serpents savent cela. Dans Genèse chapitre 2, je vois au verset 16 à 17. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Nous passons. Et chapitre 3, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Dieu avait dit à l'homme: tu vas manger de tous les fruits, de toutes les arbres, mais ne touche pas cet arbre qui est au milieu du jardin. Parce que si tu touches à cet arbre, tu mourras. Mais cet arbre contenait la mort. Mais l'homme qui n'écoute pas, il a accédé à cet arbre. Et quand il a accédé à cet arbre, qu'est-ce qu'il a eu comme bénéfice? C'est la mort. Normalement, on n'allait pas mourir. Nous. Dieu nous avait créés pour la vie. Mais à cause de l'homme, l'homme a manqué l'écoute. Et les serpents savaient que quand Dieu avait donné cette instruction, il savait que c'était le secret divin. Et les serpents n'avaient pas utilisé les pieds. Il n'avait pas utilisé les mains. Il a utilisé la bouche. Et alléluia. Amen. Parce qu'il savait que c'est le premier chemin que Dieu était passé. Pour donner les instructions. Écoutez. Yoka. Écoute les instructions. Yoka bibeko. Ito ina yo pesa kanal. Oyoka kanal. Bien aimé, même la famille, quand il y a la paix, pour que les troubles entrent, il faut passer la kalito. Amen. Alobaki. Il avait dit ceci. Ton frère a dit ceci. Même si vous étiez bien, le diable pour travailler, c'est l'écoute. Il donne le cœur. Même dans les couples, pour diviser, pour régner, l'écoute.
Parce qu'ils savent c'est là la base. Beaucoup les gens se sont divisés. Même dans l'église. Les diables au milieu de l'église. Ils utilisent quoi? Son champ de bataille. Écoute. Le bac, un salak, un monak, un simbak. Mais toi, si tu développes ton écoute pour écouter la parole, tu seras au-dessus de l'ennemi. Si tu écoutes la parole, remplace toute écoute de l'ennemi par le verset biblique. Si un homme a commis la Bible, quand tu dis que tu mourras, toi lui dis que Dieu a dit que je vivrai. Quand il vient te dire que maman n'a qu'un pomme, on t'a critiqué, tu as ceci, dis-lui. Pendant qu'on me critique, c'est que j'ai la chose. Celui qui écoute Dieu est récompensé. Mais celui qui écoute le diable avec ses agents est détruit. Il est conduit à la mort. La joie de l'éternel. La joie de l'éternel. Tu veux être récompensé. Écoute Dieu. Même la pierre te donnera du miel. C'est-à-dire, quand tu écoutes Dieu, attends-toi à ma paix. Pas d'ailleurs que ça n'est pas bon. Alléluia. Celui qui écoute Dieu agit comme un Dieu. Mais celui qui écoute le diable agit comme le diable. Et la récompense c'est la mort. Je déclare que ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. Parce que tu écoutes Dieu. Alléluia. Amen. Dieu m'a envoyé quelque part. Il m'a montré un homme. Je vous ai dit que Adam et Ève, ça c'est les gens qui n'ont pas écouté. Mais nous connaissons leur salaire. C'est la mort. Ils étaient rejetés du jardin. Et bien là, tu m'as monté pensant n'a pas yoki. Amen. Kapa malobi. Et bien là, tu m'as pas les coups faka pas yoki. Mais baloy, à toi yoki. N'a yo kan zambé que les coups à toi. Amen. Yes. Ils ont écouté les hommes. Ils ont écouté leurs médecins. Ils ont écouté les morts. Quand tu vois, c'est ça veut dire c'est ça. Ça veut faire comme ça. Mais il est temps que tu développes ton écoute pour Dieu. Alléluia. Amen. J'ai médité un homme ce matin. Quand je le méditais, j'ai crié. J'aime cet homme. L'homme de l'écoute. Il s'appelle Oncle Mardoché. Nous allons lire à la maison Esther chapitre 2. Verset 21-23. Et tu vas écrire encore Esther chapitre 4. Verset 1 à 2. Esther chapitre 6. Verset 1 à 11. Alléluia. C'est vraiment une histoire. Et j'aime finir mes messages par les exemples bibliques. Écoutez, un jour, l'oncle Mardoché était assis. Il avait écouté. Il avait écouté des hommes qui ont comploté contre les rois. Et les hommes ont dit, tuons les rois. Lui, quand il a écouté, ne soyez pas dans l'assemblée de mon cœur. Là où on s'associe pour tuer les gens, ne fais pas.
Là où on prie, on prend les résolutions. Et si on va sur Abikano, pour comploter, pour combattre les gens. Ne combats jamais une personne que Dieu a créée sur la terre. Que l'élévation des autres te pousse à les féliciter. Ne cherche pas à les critiquer. Viens à comploter, à chercher la chute. Parce que chaque personne qui cherche la chute d'une personne, il finit que par chuter. Toutes les personnes qui cherchent à tuer, il finira que par être tué. Mais notre écoute. Nous devons avoir un cœur pour Dieu. La Bible déclare que Mardoché était. Papa Kabongo, il a écouté. Les complots qu'on faisait pour le roi. Il a porté le message à sa fille. On a dit là-bas, on veut tuer le roi. Et la Bible déclare qu'il a examiner la chose. Et la chose était correcte. Mais bien qu'il avait écouté, mais il était resté dans la porte. Il était resté que là-bas. Quand tu écoutes et que tu sors, ne cherche pas les félicitations humaines. Attends la récompense du vin. La Bible déclare, il était là. L'homme qui écoute, le sage est entre Mardoché. Et un autre jour, il écoute encore. Il y a un complot qui a été fait pour contre les Juifs. On va les tuer. Alléluia. Amen. Il a écouté. Mais cette fois-ci, il n'a pas donné l'information. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? J'ai des prières. Il a pris le sac. Il a porté le sac. Il a commencé à dormir par terre. Bien aimé, comme conseil, quand tu écouteras les complots qui se sont faits contre toi, ne cherchez pas à te venger. Il faut aller parler à celui qui écoute, même là où tu ne peux pas arriver. Celui-là, même si on complote sous les eaux, il est là. Il écoute. Il écoute et il voit. Porte le sac. Toutes les paroles méchantes. Toutes les complots qu'on fait pour toi. Tu dois recourir aux jeunes de prière. C'est par là que Dieu habite. Le Bible déclare que Mardoché a prié. Et après avoir prié, il a informé à sa fille. Mais sans faire les démarches de voir le roi, l'homme de l'écoute a confiance à son Dieu. J'ai confiance. Attends, je vais te dire. Amen. Amen. Parce que je l'écoute. Je n'ai plus rien à donner au monde. Mais tant que j'ai les choses. Tant que la mission est encore là. Personne ne me détruira. Personne ne me touchera. Parce que c'est lui qui me garde. Il ne dort. Il ne sommeille. Je te dis, ne crains pas. Ne crains pas. La même semence c'est que j'ai. C'est la même semence c'est que tu prends. La même semence c'est que j'ai. C'est la même semence c'est que tu prends. Personne. Du miel. Du miel. Sortira dans les rochers. J'aime les rochers. J'aime les rochers. J'aime les problèmes. Parce que quand les problèmes se passent, du miel sort. Afuta Nzoye Bimaka. Il fallait caresser.
Il fallait Amman à la réunion. Amen. Pour Mardoché, Amman n'est pas si afin de la porte cale. Depuis que a révélé bon monde qu'on voulait tuer les rois, il n'avait rien laissé. Azoté le côté. Et qui pouvait parler pour nous? Il fallait qu'on complote. Et c'est pas ça la mienne. C'est pourquoi dans la joie. Y a quoi dans la joie? Nous ne donnons pas la félicitation aux sorciers. Ce sont des qui méritent. Ce sont des qui me combattent. J'aime les sorciers. Parce que quand tu me combats, c'est alors que mon Dieu s'élève. Quand tu me persécutes, c'est alors que mon Dieu se fait joie. Amman a appelé sa femme. C'est conseiller. Il a dit maintenant. On doit finir. Avec les Juifs. Il faut pas couvrir. Mais on doit commencer par ces Mardoché-là. Je ne vais pas les voir devant la porte. Il doit quitter. Écoutez les conseillers. Ah, ça, il a été dit. Ah, fais le bois contre Mardoché. Et là, mais voilà, je crois que c'était le soir. La base de Zagina, pourquoi? Ils ont fait leur bois. Babsali, babon, si l'Ibaya la bango. Mais maintenant, oui, coudé. Babsali, on va peindre la bango laï. Et Mardoché. Babette, moi. Et Amman. A pris la résolution. Azimokano. Très tôt le matin. Tongo, ma. Je vais aller voir le roi. Et je vais lui parler. On va commencer avec Mardoché. C'est lui qui désobéit. Désobéir au roi. Mais il faut écouter Dieu. Mais quand c'est ça, désobéir au roi Bandoki. Désobéir à Kim de Kalibota. Mais il y a un désobéir à Kim de Kikobarate. Soro désobéir à nos satanistes. On confond comme l'Anzambé la Bangote. Parce que l'Itoy n'a rien qu'à l'Anzambé. Amen. Mardoché a désobéir au roi. Mais il a écouté les trois. Il a écouté. Pendant qu'il complotait. Amman n'est pas encore vite. Vite le roi. Ce qu'on a là. N'est la mola qui koumouté. Mais Jokadekuna, c'est lui qui voit partout. C'est lui qui arrive partout. Dans toutes les années, il est invisible. Il est comme là, si comme il n'est pas. Ok, il était là. Il est au milieu. Il a dit, alors, là ils ont exagéré. On a mal ici. Quand mon enfant avait la révélation, il est mort du roi. Je ne suis pas occupé. Même si on l'a pas payé, ce n'était rien. Mais comme on veut toucher, on veut les toucher. Maintenant je me lève. Maintenant je me lève. Comme on veut toucher à sa vie, je me lève. L'éternel, il a appuyé la bouton. Le bouton. Il a appuyé. Cette nuit-là, la Bible déclare, le roi n'a pas pu dormir. Bien aimé, je te dis, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, même là où tu n'es pas, ton rédempteur est présent. Là où on fait des complots, ton rédempteur est présent. Et il s'est levé, il est sorti lui-même, il est sorti, il a dit,
Mardoché m'appartient. L'homme que Dieu va honorer, Maman dit c'est l'homme.
Lorsque Dieu m'a Il a signé. Et ce décret-là a donné accès à toutes les Juifs. Écoutez, Yoka. Prends ta main droite. En signe de la foi. Tu tiens le stylo spirituel. Tu signes.
Parce que tu as l'autre. Tu as écouté. À partir de ce soir. La pierre. Libanda. Va te donner du miel. La mort. Ouvre. Te donne la vie. Au nom de Jésus. Commence à signer. Commence à signer. La maladie me donne la guérison. Commence à parler. Consigne. Élève seulement ta main droite. Élève ta main droite. Et suis-moi dans la prière. Parle, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. La narani modèle bancolo Yesu. Kolo Yesu. Na yeli bosona yo. Na yeli bosona yo. Na dimio. Na dimio. Lokola kolo. Lokola kolo. Pepo biki sina ngai. Pepo biki sina ngai. Yesu. Yesu. Dimi sama sumu na ngai. Dimi sama sumu na ngai. Kote na motema na ngai. Kote na motema na ngai. Na boy satana. Na boy satana. Yone kolo na ngai. Yone kolo na ngai. Kobandalelo. Kobandalelo. Na dimio. Na dimio. Kango na ngai. Kango na ngai. O pesa ngamba no. O pesa ngamba. Lokola mboko ya bana. Lokola mboko ya bana. Na komo la Yesu tuebe. Na komo la Yesu. www.casarema.fr